Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai reçu ma box Look Fantastic. Donc j'espère qu'elle sera mieux que la dernière fois puisque j'avais vraiment été déçue. Donc j'attendais de faire ma vidéo pour l'ouvrir. Donc là voilà, elle est sympathique. Toujours, ils ont toujours des belles boîtes. Hein. Donc là, c'est dans les tons roses. La dernière fois, c'était dans les tons orange. Donc Get the Glow. Donc, je vous laisse traduire à ma place, hein, puisque vous savez que moi et l'anglais, ça fait deux. Donc, c'est parti, on l'ouvre. Alors, bah, maintenant, hein, je sais que c'est tout en anglais. Donc Glow Edition. Donc, je regarderai après, parce que je voudrais quand même essayer d'avoir un petit peu de surprise en l'ouvrant. Donc, toujours le magazine Elle en anglais. Je pense que hein, ça n'a pas changé. Non, c'est toujours en anglais. Donc, en petit format. Bon, il y a remarqué, il y a des échantillons. Bon, je pourrais voir quelque chose. Ah, alors cette fois-ci, donc, une petite feuille de soie. Toujours à peu près dans le même esprit. Alors, j'ai toujours avoir ce problème de traduction. Donc, vous voyez. Alors, aucune idée de ces produits. Alors, on y va. Alors, j'espère que je vais pouvoir avoir les traductions parce que la dernière fois, c'était déjà un petit peu la panique à bord. Et j'espère que cette fois, ça sera un petit peu plus clair. Allez, c'est parti. Ça commence mal. Donc, Scrub Love Hydrating. Donc, hydrate de l'orage. Donc, hydrate. Je vois de l'huile de coconut. Donc, de notre coco. Body Scrub. Pénétration. Skin. Antioxydant. All Skin Type Coconut Cranberry. Yes. Yes, yes. Et dedans, on a l'impression que c'est une pochette surprise. Je sens quelque chose de... comme une éponge. Il y a quelque chose dedans. Et je ne vais pas l'ouvrir parce que si après je ne peux plus l'utiliser. Donc ça commence bien. Après, alors, ça fait un... c'est quoi? De la marque New Face par Carole Cole. Prill and Glow. Waouh! Alors, ah si, c'est écrit nettoyer, exfolier, hydrater. J'ai l'impression, c'est encore une pochette surprise. Il y a une petite éponge rectangulaire dedans. Donc, apparemment, il y a de l'acide hyaluronique. Je vois coton. Enrichi en antioxydants. Donc, je pense que dedans, ouais, ça va être une petite éponge pour nettoyer, exfolier, hydrater. Bon, ben, petit à petit, on s'en sort. Je continue parce que sinon, on va pas y arriver. Encore une petite pochette. Pareil, hein. Enfin, pochette surprise. Encore quelque chose de rectangulaire. Hydro-démaquillage. Alors, innovation microfibre. Voilà. Donc, ça doit être une petite microfibre pour démaquiller. Alors, français A. Fini les produits démaquillants, glove démaquillé à l'eau uniquement pour tous les types de peau. Réutilisable 3 mois, fibre fine, lavage à la main recommandé. Bon ben voilà, c'est clair au moins. Voilà. Donc c'est sympa, ça a une petite éponge pour nettoyer et puis on peut s'en resservir. Donc pour l'instant, mis à part le truc là, je ne vois pas ce que c'est. Bon, alors ça, on peut pas me dire que c'est un full size. Hein.
c'est un échantillon. Ça fait 7 millilitres. Alors, Luminous 3 minutes pile de la marque Real Chemistry. Oh là là, l'anglais. Alors, quand même, bon, pareil, hein, j'essaierai de vous mettre la traduction. Je vais chercher si j'arrive à la trouver. On continue. Ah, ça, c'est un petit spray de 30 millilitres. Alors, attendez. Alors, est-ce qu'il y a la traduction en français? Oui, on progresse. Brume bronzante H2O. Spray bronzant progressif à l'eau de rose pour rafraîchir et donner de l'éclat, vaporisé à environ 30 cm du visage en fermant les yeux. C'est sympa ça. Une brume bronzante. Mais bon. C'est pas aujourd'hui que je vais m'en servir. Hein. Alors. Moi, ça sent pas grand chose. Mais bon, c'est pas désagréable. Sympa, c'est nouveau. C'est le but un peu des box, justement, c'est de trouver des nouveaux produits qu'on connaît pas. Donc, ça, ouais, ça me plaît bien. Donc, c'est la marque James Reed. Je vous remontre. Ça prend pas de place. Bon, c'est pas, ça va pas aller loin. Hein, qu'on fait que le visage. Encore un petit spray. Alors, c'est pas la même marque. Système professionnel. Bon, alors, est-ce qu'il y a la traduction? Alors, déjà, élixir reconstructive. Luxe oil. Alors, non. Non, 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 non. Il n'y a absolument rien d'écrit dessus. Donc, je vais chercher. Alors, qu'est-ce que ça sent? Alors, ça doit être... Oui, c'est de l'huile. Pff, là, je commence à avoir plein de produits. Ouais, c'est gras. Oh, qu'est-ce que ça sent super bon, par contre. Ça sent l'été. Ça sent super bon. Mais, je peux pas vous dire à quoi ça sert. Franchement, ils abusent. Je ne sais pas, il n'y a rien d'écrit derrière. Il n'y a que des produits, donc ça ne va pas. Mis à part, élixir reconstructive. Donc, je vais voir dans le petit livre si je vois à quoi ça sert. Donc, 30 millilitres. Après, de la marque Mello. Ça m'a l'air d'être un blush, non ? Rose, qu'est-ce qui est écrit? Mellow Baked Haze Shadow, donc c'est les yeux. Donc, la dernière fois, des produits innovants quand même, parce que alors, le tube pour la crème de 20 ml pour faire les jambes, là quand même, c'est se moquer un peu des gens quoi. Donc ça doit être pour les paupières. Bon bah pareil, hein, je vais regarder si j'ai plus d'explications et je vous le mettrai en barre. En bas. Donc comme ça. Oui, c'est vrai, je suis tout le temps en train de sentir les produits. Bah ouais. Oula, c'est vachement pigmenté. Je mettrai en bas à quoi ça sert. Donc ça, c'est format full size. Voilà, et donc c'est fini. Alors, est-ce qu'on a plus d'explications? Mais bon, comme c'est tout en anglais, je pense pas sur les produits ou... Bon, il y avait quand même 2-3 produits où c'était écrit en français, mais bon, quand on vend une box en France, enfin, je sais pas, le minimum, c'est quand même de mettre une feuille avec la traduction. Bon, je sais, à notre époque, on devrait connaître l'anglais, mais bon,
y a des personnes comme moi où l'anglais, ben, c'est trop loin. Alors, non, mais tout le reste, c'est tout écran en anglais. Donc, voilà, donc c'était la look fantastique du mois de mai. Donc, bon, bah, désolée pour la traduction, hein, mais bon, je vais tout faire pour essayer de vous mettre en dessous des produits la traduction. Je suis vraiment désolée. Je pensais pas quand même que c'était une box où c'était tout en anglais. Bon, bah, j'en ai plus qu'une, hein, mais bon, elle est quand même mieux que la dernière fois. Donc, promis, ma prochaine vidéo sera avec que du français, hein, il n'y a pas de problème. Je vais arrêter l'anglais. Donc, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Donc, si vous aimez mes vidéos, un petit pouce, ça me ferait plaisir. Et puis, pour celles qui ne me connaissent pas, bah, pourquoi pas vous abonner. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous ferai des gros bisous. Au revoir.